Ce résumé vous est présenté par Lay's et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Et voici déjà Vinicius sur l'action. Première accélération et première possibilité déjà. 1 minute 40 secondes de jeu. Le centre maintenant de Dumfries. Et la frappe qui va partir. Elle partait bien, c'est Militao. Et attention à cette frappe-ci. Elle passe pas loin du tout. Hein, quelques centimètres. Attention ici à Dumfries. Le centre est beau. Lautaro Perisic, pardon. Avec Rodrigo. Passe à l'intérieur, bien joué de la part de Casemiro. Attention, frappe de Toni Kroos, bien sûr. Et bien voilà, premier ballon pour Toni Kroos. C'est but. On l'avait quasiment pas vu, le petit Toni, l'ancien du Bayern, de Leverkusen aussi. Et la frappe ici de Lautaro qui frappe largement au-dessus avec Perisic. Face à Carvajal, le centre il est pas mal du tout celui-là et la tête qui tombe dans les bras de Courtois. Frappe, eh oui elle était puissante. Et c'est parti. Le corner, ouh la reprise, elle était superbe, ouais, quel joli geste, Brozovic n'est pas content. Un hors-jeu me semble-t-il, j'ai l'impression, avec Carvajal qui était l'homme le plus avancé, cette passe elle est magnifique, et pas de but par contre. Et un bon ballon peut-être, position de frappe, c'est Piqué qui sauve Handanovic. Ah là là, on est passé tout près du 2-0 à quelques secondes de la pause. Casemiro. Ouh là là, on a oublié Rodrigo. La passe, elle était belle hein, de Casemiro. D'Ambrosio traîné par là. Et c'est Çalhanoğlu qui emmène ce ballon. Elle est bonne, cette balle pour Barella qui va frapper. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Mendy et Casemiro. Petit ballon encore pour Jovic. Oh, tir à la retourne, très joli. Repoussé par Handanovic, c'est peut-être pas terminé. Si c'est repris par D'Ambrosio. Et Militao, toujours très intelligent, là qui vient en contact. Oui, Barella n'aime pas ce genre de contact parce qu'il a bien compris que Militao s'est désintéressé complètement du ballon. Reverrons cela ici, regardez. Bon, c'est un épaule contre épaule, mais bon, il a failli quand même se manger le panneau publicitaire, l'international italien. Et puis, il y a des petites choses qui se passent juste après. Avec Barella, regardez ici, qui essaye de mettre un coup de pied, voire un petit coup de poing. Voilà, et rouge pour Barella. Ah ben ça, c'est... Franchement, c'est étonnant. Attention à cette frappe, elle était dangereuse. Hein. Handanovic touche cette balle, me semble-t-il. Et Modric qui s'y essaye cette fois, c'est contré. Valverde, première touche. Vinicius, retour chez Luka Modric. Carvajal, Asensio. Asensio qui va enrouler. Hop, oh, qu'il est beau ce but. Juste un petit bijou fantastique. Deuxième touche de balle pour Marco Asensio. C'est un peu sa spécialité hein, de monter au jeu et immédiatement de mettre un coup de patte celui-là.
Et attention, Eden Hazard avec un peu de liberté, il la donne à Camara qui n'avait pas vu arriver Perisic dans son dos. Et qu'est-ce qu'on fait là? Perisic qui traîne, et on a failli marquer un troisième but côté madrilène là. Au point de pénalty, pas mal, c'était précis sur la tête de Skriniar et directement dans les bras de Thibaut Courtois. Ce résumé vous a été présenté par Lays et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.